Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Arzakou. Sur cette première vidéo, nous allons partir sur le perche. Une virée de pêche qui a été faite cet été, très courte, malheureusement avec pas trop de vidéos, pas du tout même, pour des problèmes techniques. Mais un premier poisson que je n'avais jamais fait jusqu'ici, l'ombre commun. L'ombre commun, je vous conseille vivement d'aller courir après pour celles et ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller un petit peu le taquiner. On était sur l'Huisne dans le Perche avec Thomas et j'ai été gâté. Nonobstant le fait que le temps était exécrable. On a dû avoir le matin et c'était début août, tout juste 10 degrés. Du vent, de la pluie, des éclaircies intermittentes juste un petit peu dans l'après-midi. On est donc parti, moi en sèche et Thomas à la nymphe. On a aussi interverti un petit peu pour augmenter toutes nos chances. Et on en a fait. Et moi j'ai été enchanté, complètement charmé. C'est un magnifique poisson. Avec un plus, je trouve une bouille de barbeaux, de gros goujons. Beaucoup moins peureux que... sa copine la truite salmonidée. Ceci dit, à vue à la nymphe, c'est super sympa. 1, 2, 3. Le lendemain, nous sommes allés à la carpe. On en a fait deux. Le temps se levait un petit peu, les températures remontaient sur le coup de 11h midi, mais c'était juste pour quelques heures parce que ça s'est dégradé très rapidement après. Et puis, il a fallu rentrer sur le centre de la Bretagne. Alors voilà, voilà notre petit périple sur le Perche, où il a même fallu le samedi midi, en plein après-midi pour la soirée, rallumer le poêle à bois dans le salon, tellement il a fait froid. À l'intérieur de la maison, il faisait 14-15. On s'est rattrapé à la carpe. Clairement, on doit en avoir une. La mienne devait faire dans les 8 kg, 8-9 kg. La sienne, un peu plus quand même, 10-12. Mais c'était sympa. Merci, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Salut!